my poison. Salut à tous et à toutes, c'est là, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo vérité. Voilà, tout simplement, je tenais vraiment à vous dire ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui par rapport à Clash of Clans, par rapport aux vidéos qui se sont déroulées dessus, par rapport à ce qui se passe, voilà, aujourd'hui. Vraiment, j'avais décidé de vous dire la vérité, mais beaucoup ne l'ont pas accepté, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai mis du temps avant de faire cette vidéo concernant la vérité. Voilà, parce que déjà, la vidéo coup de gueule ne vous avait pas beaucoup plu, c'est normal, j'avais un petit peu gueulé sur tout le monde. Mais aujourd'hui, je tenais vraiment à faire une vidéo interactive. Voilà, vraiment qu'on soit tous ensemble, soudés, main dans la main, et qu'on se dise ce qui va et ce qui ne va pas sur la chaîne, tout simplement. Donc moi, je tenais vraiment à commencer par le début. Déjà, je vous l'avais dit aujourd'hui que Clash of Clans, pour moi, n'était plus une passion. Voilà, je l'avais dit, tout simplement, que pour moi, Clash of Clans était quelque chose de fini. Voilà, tout simplement, pas parce que je n'aime plus le jeu, mais aussi parce que pour moi, le jeu était plus intéressant, on va dire, qui était un peu plus lassant, c'est vrai, certains l'ont reconnu aussi, mais la communauté n'était pas vraiment au top également. Et quand je dis la communauté, je ne parle pas de vous, parce que vous, vous êtes extraordinaire. Ce sont les haters, c'est 1% des abonnés, et tous les autres, toutes les personnes qui sont des robots, qui ont créé des triples, quadruples comptes, ou alors voilà, juste des personnes sur lesquelles j'ai enquêté de leur clan, qui me détestent, tout simplement, voilà, c'est leur choix. Mais la plupart, vraiment, vous êtes extraordinaire, on ne peut pas dire le contraire, en général, vous êtes juste géniaux. Malheureusement, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, voici mon village. Il a été laissé à l'abandon. Mes tours de l'enfer, mes arcs-X, mon aigle artilleur sont vides. Mes pièges ne sont pas rechargés. Il y a plein de tombes sur mon village. Il y a également mes extracteurs, mes foreuses et mes mines d'or qui sont totalement pleines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que je n'ai plus joué à Clash of Clans depuis maintenant le 30 juillet, date de la dernière vidéo, à laquelle j'avais déjà réinstallé Clash of Clans juste pour faire une vidéo. Et aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je fais ça. Je réinstalle Clash of Clans juste pour faire la vidéo, et je vais certainement supprimer le jeu juste après pour libérer de la place sur mon téléphone. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je fais ça? C'est pas pour critiquer Clash of Clans, parce que Clash of Clans pour moi a toujours été un bon jeu, en général. Voilà, l'un des meilleurs sur mobile. Et c'est pas le jeu que je critique ou la communauté. C'est un ensemble de choses qui sont arrivées. Alors le fait peut-être que je me sois lassé tout seul, le fait que Clash of Clans ça devient répétitif, le fait que la communauté ne me soutienne moins, voilà, c'est vrai. Mais pas que, voilà, c'est juste un ensemble, tout simplement. Mais aujourd'hui, je n'ai plus la passion de faire des vidéos sur Clash of Clans. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, le montage est totalement dégueulasse. Voilà, je ne fais même plus l'effort de mettre des musiques de fond. Avant, je faisais des gros montages avec plein de trucs, avec des effets sonores, comme vous le saviez, par rapport aux enquêtes de clans. Beaucoup m'ont reproché que je ne fasse plus ce genre de choses. Et donc, du coup, aujourd'hui, je tenais vraiment à m'excuser par rapport à ça. Voilà, j'ai décidé de faire des vidéos sans montage. Et qui dit des vidéos sans montage, ça veut dire des vidéos sans passion. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus la passion de faire des vidéos sur Clash of Clans, parce que simplement, je ne suis plus passionné de Clash of Clans. Alors là, à partir de ce moment, il y a deux types d'abonnés. L'un qui dit, de toute façon, H, que tu fasses sur Clash of Clans ou pas, on te suivra partout. Et l'autre qui dit, moi, H, je t'adore, il n'y a aucun souci avec ça. Mais dans tous les cas, on veut que tu fasses du Clash of Clans, tu t'es fait connaître grâce à ça. Pourquoi tu vas changer maintenant de contenu, alors que tu t'es fait connaître sur Clash of Clans? Et la plupart, ils se posent des questions, ils se demandent, mais pourquoi tu vas faire d'autres choses, d'autres vidéos sur d'autres jeux, alors que tu ne joues même pas d'autres jeux, mais en plus, pourquoi tu ferais d'autres contenus alors que tu t'es fait connaître grâce à Clash of Clans? Parce que c'est ça en fait le souci aussi, c'est que moi j'aimerais vraiment bien refonder un autre projet avec vous, c'est-à-dire faire des vidéos vraiment d'information, comme par exemple avec ce qui se passe aujourd'hui dans le YouTube Game, les accusations de Squeezie qui sont vraiment très importantes, sur lesquelles j'avais vraiment envie de débattre, sur le sujet qui est vraiment très tabou, l'argent dans le YouTube Game, exactement aussi, pareil, c'était vraiment des sujets que j'avais envie d'aborder avec vous, hors Clash of Clans, mais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, eh bien non, parce que tu fais du Clash of Clans, donc tu dois rester sur Clash of Clans. Sauf que je pense qu'on est tous d'accord à la fin. Faire des vidéos Clash of Clans, on en a tous vu, voilà. Sur des vidéos stratégie, des vidéos de mise à jour, des vidéos troll, tout ça, on a déjà tout vu sur Clash of Clans. Entre Alex Calibur, moi, il y avait le Royaliste, il y avait plein d'autres personnes, Trapa aujourd'hui qui en faisait, BFA, le Bouzeux, tout ça, on a vraiment fait plein de vidéos troll sur Clash of Clans ou sur Clash Royale. Et je crois qu'en 6 ans d'existence, je pense quand même qu'on a fait le tour des vidéos de Clash of Clans. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter Clash of Clans, pour autant, parce que j'adore faire des vidéos encore qui sont osées, qui sont provocatrices, tout ça j'aime bien, voilà, tout simplement. Même si je dois me faire bannir Clash of Clans, ça m'est égal. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est m'éclater sur Clash of Clans, et je vais pas faire des vidéos, par exemple, comme des enquêtes alors que ça ne fait pas plaisir, ou alors faire des vidéos genre stratégie d'attaque alors que moi-même je ne sais pas attaquer. Je pense que vous aussi vous trouvez ça complètement ridicule. Et donc là certains vont se demander, et m'ont déjà demandé, mais du coup c'est quoi ta passion?
Bah, tout simplement, aujourd'hui, je dois vous l'avouer, les potes, j'ai déjà dit, voilà, certains le savent, ma famille ou même quoi que ce soit, hein, même mes amis ou même, vous le savez, je vous l'ai dit, je me suis investi sur les cartes Pokémon. Voilà, aujourd'hui, j'ai 18 ans et j'assume totalement de m'être investi là-dessus, sur l'achat-revente de cartes Pokémon, sur la collection aussi également, et je me fais plaisir, tout simplement. Alors, juste, si vous voulez voir ce que c'est la réelle passion de quelqu'un, bah, allez voir sur la chaîne Maskash, je vous mettrai le lien dans la description, et allez voir la dernière vidéo, l'ouverture de 4 boosters X-Team Magma Aqua. Eh bien, vous allez voir ce que c'est la passion, de trembler pour sa passion. Et ouais, j'ai ouvert juste 4 paquets de cartes, mais bon, ce sont des paquets de cartes qui valaient très cher, 50€ l'unité, et qui étaient donc sortis en 2005, dont ça date. Et simplement, ça me rappelait l'époque où j'avais 5 ans et j'ouvrais des paquets de cartes. Et c'était juste incroyable pour moi de retourner dans le passé, c'était comme si on avait inventé la machine à remonter le temps, vous voyez. Et bien, ça m'a fait tellement plaisir, je peux pas vous décrire avec quelle joie ça s'est produit, mais voilà, en tout cas, tout a été capturé dans la vidéo, donc si vous voulez vraiment voir ce que c'est de la passion, n'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo, qui est donc sortie sur la chaîne de Maskash. En tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Simplement, j'ai déjà dit, je ne ferai pas de Pokémon sur cette chaîne-ci. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il y a déjà la deuxième chaîne qui est dispo pour ça. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que je vais souvent faire la pub pour la chaîne secondaire, parce que pour moi, c'est ce qui me passionne, voilà, c'est vrai. Mais sur cette chaîne-ci, j'ai décidé de continuer Clash of Clans, de faire des trucs qui me plaisent sur Clash of Clans, même si c'est osé, voilà, je vais vous le dire, aujourd'hui, il y aura vraiment que des trucs qui sont provocateurs, et par provocateur, j'entends les sujets sexuels, les sujets d'insultes, et plein de choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. De leurs conditions générales d'utilisation de Supercell, je m'en fiche, je vais aller leur insulter, voilà, tout simplement, parce que j'ai envie, voilà, et j'ai envie de faire des vidéos par rapport à la communauté de Clash of Clans, voilà, vraiment, des communautés pour voir, pour faire découvrir vraiment les clans chelous, les clans pervers, comme je l'avais déjà fait, et vraiment faire des vidéos là-dessus, parce que ça me plaît, tout simplement, et que je n'ai pas envie de faire des vidéos sur comment attaquer, tout ça, parce que ça ne me plaît pas, et je trouve pas ça très fun, voilà. Alors même si ça fait immature, moi, je trouve ça marrant, voilà. Donc c'est mon choix, voilà, tout simplement. J'ai aussi des enquêtes qui vont arriver, hein, vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos, la série des enquêtes va continuer, mais aussi des vidéos qui ne seront pas sur Clash of Clans. Alors rassurez-vous, je ne vais pas faire de foot, ou de FIFA, ni de Pokémon, comme je vous l'ai dit, mais comme je vous l'ai dit également en début de vidéo, des vidéos d'information, c'est-à-dire par rapport à ce qui se passe sur YouTube, on va faire des gros débats sur des sujets, par exemple l'argent, on va faire des trucs par rapport, je ne sais pas, ce qui se passe sur YouTube, quand il y a des gros débats sur YouTube, eh bien on fera donc des vidéos là-dessus, pour vous dire tout simplement ce qui se passe, voilà, aujourd'hui, dans tout ce qu'il y a sur des débats qui vraiment, vraiment, vont être très importants pour moi, sur lesquels j'ai envie de vous parler, eh bien je vais vous faire des vidéos comme ça, sur lesquelles on va débattre tous ensemble dans les commentaires, voilà, mais en majorité, et quand je dis en majorité, c'est-à-dire pour 90% des vidéos, ce sera du Clash of Clans, donc rassurez-vous, vous pouvez rester abonné, il y aura du Clash of Clans à volonté. Voilà, vous inquiétez pas pour ça. Juste, je tenais à souligner, voilà, pour les personnes qui me disent que je suis plus passionné. Tout simplement, je vous l'ai dit, et je le redis encore, certains viennent me voir en me disant « Ash, est-ce que tu peux enquêter sur ce clan ?»« Mais mec, j'ai plus fait de vidéo d'enquête depuis un mois. Je sais pas, je suis inactif. » Je sais pas si vous le remarquez, en fait, à quel point je suis tout simplement lassé par Clash of Clans. Je pense que certains le voient, même la plupart, mais d'autres ne s'en rendent pas compte. Ils viennent toujours me voir dans les messages privés sur Insta, comme si de rien n'était, comme si je faisais des vidéos tous les jours ou quoi. Alors qu'en réalité, j'ai déjà dit, j'ai pété un câble, j'ai déjà dit dans ma vidéo coup de gueule que moi ça m'énervait de faire des vidéos sur Clash of Clans si ça n'avait aucun sens. Et faire des vidéos qui en plus ne vous plaisaient pas, parce que pour la plupart, je vous l'ai dit aussi, il y a une baisse de vues, il y a une baisse des abonnés, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de désintérêt de la chaîne. Du coup, moi ça me plaît pas de faire des vidéos qui en plus ne me plaisent pas à faire, qui ne transmettent aucune passion et qui pour vous, ne sont pas formidables, voilà, donc moi vraiment je préfère faire des vidéos au moins qui vont me plaire sur Clash of Clans, voilà, qui vont être osées, peut-être que vous ça va pas vous plaire, mais moi ça me plaira, et d'autres vidéos qui vont également me plaire, voilà, comme par exemple les enquêtes, qui vous plairont aussi, et comme ça au moins tout le monde sera content. Sur la chaîne secondaire que du Pokémon, je vous l'ai dit, achat-revente de cartes, ma collection, tout ce que je fais, voilà, comme bonnes affaires, je vous l'ai dit, il y aura que ça aujourd'hui, il y aura des ouvertures aussi de cartes Pokémon là-dessus, parce qu'aujourd'hui, j'ouvre, voilà, tout simplement, j'ouvre des paquets de cartes, voilà, j'ai 18 ans et j'assume, je le fais. Tout simplement parce que c'est ma passion, je joue à Pokémon, voilà, je joue, c'est-à-dire que je fais des combats de Pokémon sur la Wii tous les jours, sur la DS, je passe 2 à 3 heures par jour en vacances à faire ça, parce que ça me plaît, c'est de la stratégie, et voilà, comme Clash of Clans a été un jeu de stratégie, bah Pokémon, ça en est aussi, mais avec beaucoup plus de facettes, voilà, je pense qu'il y a plus de facettes stratégiques de Pokémon qu'il y en a sur Clash of Clans. Après, ça dépend de vous, ça dépend de la façon dont vous voyez Pokémon, est-ce que vous avez songé vraiment à ce qu'étaient les attaques de Pokémon ou quoi que ce soit, voilà, je sais pas, vraiment, tout dépend de vous, si vous avez déjà joué à Pokémon, vous savez à quel point c'est stratégique, à quel point il y a de multiples facettes lors de combats, et c'est pareil pour Clash of Clans, voilà, vous pouvez faire plein de compos différentes, et c'est ce qui donne vraiment le piquant au jeu, vous voyez ce que je veux dire.
Donc voilà, pour moi, je pense que c'était vraiment très 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 essentiel de se livrer par rapport à ça. Je pense que je vous aurais tout dit. Voilà, aujourd'hui, Clash of Clans ne servait qu'à faire de l'argent et j'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Faire des vidéos sans passion juste pour faire de l'argent. Comme vous pouvez le savoir, sur la chaîne de Mascash, on fait pas beaucoup de vues. Les vidéos ne sont même pas monétisées. Je réponds à tous les commentaires. Voilà, tout simplement. Et voilà, je pense que c'est bien important de délimiter. Sur Mascash, il n'y a que du Pokémon. Je ne veux entendre parler que de Pokémon. Et sur cette chaîne-ci, il y aura vraiment de tout. Voilà, ça sera vraiment la mixité totale. Il y aura du YouTube et du Clash of Clans en majorité. Un peu de pub, voilà, tout simplement pour la chaîne secondaire. Mais on parlera pas de Pokémon ici. Voilà, tout simplement. Je veux vraiment bien fixer les limites pour que tout le monde sache bien quoi dire, quoi faire sur chaque chaîne. Et comme ça, au moins, vous n'êtes pas perdu. Je ne suis pas perdu. Et on a donc des projets tous ensemble. Donc j'attends forcément vos réactions par rapport à cette vidéo dans les commentaires. J'attends vraiment des grosses, grosses, grosses remarques constructives, des énormes pavés. Vous pouvez vraiment m'écrire des gros pavés, que ce soit positif ou négatif, du moment que vous donnez des arguments, des exemples, des choses à faire qui pourraient vous faire plaisir sur la chaîne. Vraiment, j'entends vraiment tout. Tous vos commentaires, je les lis et j'y répondrai pour toutes les remarques qui sont constructives avec un minimum, forcément, de grammaire. Parce que des fois, je ne vous comprends pas, les potes. Vous n'arrivez pas à écrire français, mais c'est pas grave. Allez, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, ça me fait du bien de m'être livré comme ça. Je pense que c'était essentiel pour l'avenir de la chaîne déjà et pour vous tenir au courant. Parce que certains, voilà, encore une fois, sont dans le déni total. Et je tenais vraiment à vous ouvrir les yeux, vraiment, par rapport à ce que je vis aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai envie de faire dans le futur. Et comme ça, au moins, on peut tous redémarrer sur des bonnes bases. Je vous dis à la prochaine, les amis. Portez-vous bien. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est le plus important. À la prochaine. Bye bye.